Aujourd'hui, on a plus ou moins une égalité juridique. Donc, depuis 2002, les lois au Québec ont changé. Le code civil maintenant inclut les familles avec parents gays, lesbiennes, bisexuels ou trans. On a un encadrement légal. Mais ce qui persiste, c'est des attitudes sociales qui sont homophobes ou transphobes, des réticences envers nos familles, des stéréotypes. Donc, particulièrement en milieu scolaire, mais ailleurs dans notre société aussi. Donc, c'est ça qui me motive pour continuer la lutte. La charte était clé pour nous dans toutes nos luttes pour l'accès à la parentalité, pour la reconnaissance de la diversité familiale, pour obtenir nos droits. Et puis, ça continue d'être un outil très important pour nous parce qu'on le voit comme un outil. Donc, un outil pour faire valoir nos droits comme minorité sexuelle au Québec.